Bonjour à tout le monde, bienvenue dans cette première vidéo du programme débutant pour l'Ashtanga Yoga. Donc dans cette vidéo, nous allons travailler une quinzaine de minutes sur les salutations au soleil. Donc les salutations au soleil viennent introduire la pratique de l'Ashtanga pour permettre au corps de s'échauffer et pour installer la respiration. Sachez qu'en Ashtanga, on a une respiration particulière, on va essayer de respirer par le nez. Donc on va aborder cette respiration tout au long des prochaines vidéos. Okay, aujourd'hui, c'est une courte introduction de cette respiration et dans les vidéos suivantes, on va essayer d'y aller de manière un petit peu plus détaillée et longue sur cette respiration. Okay, donc là, aujourd'hui, on bouge avec le corps et avec le souffle. On va commencer debout. Donc, nous sommes debout à l'avant du tapis. Je me mets face à vous pour qu'on puisse mieux voir les pieds. Donc les bases des gros orteils vont se toucher. On peut garder un petit espace entre les talons pour l'instant. Vous allez relâcher les bras le long du corps et ouvrir les paumes de main vers l'avant. Okay. Fermez les paupières. On vient inspirer par les narines. Et on expire par la bouche pour commencer. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Gardez les lèvres fermées cette fois-ci et on expire uniquement par le nez. Encore deux fois. Inspire. Par le nez, j'expire toujours. Inspire par les narines. Expire par le nez. Ok. Ouvrez les yeux. Donc, toujours à l'avant de notre tapis. Sur une nouvelle inspiration, soulevez les bras vers le ciel, soulevez le regard vers les mains. Pliez légèrement les genoux. Expire, on plonge vers la terre. Relâchez la tête. Montez sur le bout des doigts, inspirez, tirez colonne, nuque vers l'avant. Expire, main à plat sur le tapis, on va reculer une jambe, puis l'autre vers l'arrière pour une planche. Okay. Donc là, on tient la planche, on essaye de bien pousser le tapis avec les paumes de main. On arrondit le haut du dos, on tient. Cette posture de planche est très importante pour gagner en force dans les bras, les épaules et le centre du corps. Ok, déposez les genoux sur le tapis. Partez vers l'avant et les épaules. Pliez les coudes en essayant de les garder proches de vous. Et on vient déposer poitrine, menton sur le sol. Puis on dépose le ventre. Ok, donc on est allongé sur le ventre, sur le tapis. On va pointer les 10 orteils vers l'arrière. Et on essaye d'installer les paumes de main juste sous les coudes. Ok, pressez les pieds. Tirez lentement les coudes vers les talons et on décolle la poitrine du sol pour un cobra. Vous pouvez fermer les yeux, respirez là. Sentez la légère cambrure dans le dos. Inspire par le nez. Expire par le nez. Ok, inspire à nouveau ici. Expire, on redescend la poitrine, le visage au sol. Plantez les 10 orteils dans le tapis et là, repoussez-vous du sol avec les mains. On revient dans une table à quatre pattes. Ok. Donc, on vient tirer lentement les hanches vers l'arrière. Vous allez déposer le bassin sur les talons. Hop, le front est déposé sur le sol. Et on essaye de respirer pour 3 cycles ici. Inspire par les narines. Expire par le nez. Là, nous sommes dans la posture du chiot. Qu'on va faire évoluer dans la posture du chien tête en bas tout à l'heure. Encore une respiration ici. Inspire par le nez. Expire par le nez. Ok. Inspire, on décolle le bassin. On revient dans une table. On va planter les 10 orteils dans la terre, décoller les genoux. Hop. Et on va essayer de tirer les hanches vers l'arrière. Pour allonger le bas du dos vers le fond. Ok. Vous allez regarder entre vos pieds.
pour pouvoir glisser les oreilles entre les bras supérieurs, entre les biceps. Ok, encore deux respirations ici. Inspire par le nez. Expire par le nez. Inspire par les narines. Expire. Okay. Inspire, montez sur la pointe des pieds et on vient marcher les pieds vers les mains. Petit pas vers l'avant. Montez sur le bout des doigts. Inspire, étire la colonne. Et là, expire. Repliez les genoux et on vient déposer le ventre, les côtes sur les cuisses. On va relâcher la tête, détendre les mâchoires. Ok. Pour se redresser, on va se redresser avec une colonne longue d'un bloc. Inspire, soulevez les bras. Et expire, on relâche les bras le long du corps. On vient de faire une salutation au soleil modifiée. Restez à l'avant du tapis et retrouvez la posture de départ où on avait les pieds ensemble. Et le petit espace peut-être entre les talons. Ok ? On recommence peut-être un tout petit peu plus vite. Inspire, soulevez les bras et le regard. Et expire, genou plié, je plonge vers l'avant et vers la terre. Montez sur le bout des doigts, inspire, étirez colonne et nuque. Expire, main à plat sur le tapis, je recule une jambe, puis l'autre, et je tiens à nouveau la planche. Donc j'ai les mains qui sont écartées de la largeur des épaules. Les index sont parallèles, les autres doigts écartés de manière naturelle. Je pousse fort dans la terre pour arrondir le haut du dos. Je remplis l'espace entre les omoplates. Ok. Déposez les genoux sur le tapis. On part vers l'avant et les épaules. On serre les coudes contre le buste. Et on vient déposer poitrine sur le sol et le ventre. Pointez les 10 orteils. Tirez les coudes vers les talons. On décolle la poitrine et le visage. Ok. Cobra. Inspirez là. Expire, on redescend. Plantez les 10 orteils dans la terre, repoussez-vous du sol avec les mains et on tire le bassin vers l'arrière pour un chien tête en bas. C'est notre deuxième chien tête en bas. On va tenir 5 respirations ici. Inspire par le nez. Expire par le nez. Inspire par les narines. Expire par les narines. Troisième respiration. Quatrième. Et cinq. Ok, inspire, montez sur la pointe des pieds. On vient marcher les pieds vers les mains. Petit pas vers l'avant. Montez sur le bout des doigts. Inspire, étire la colonne. Expire, genoux toujours pliés. On referme le ventre, les côtes sur les cuisses. On relâche la tête. Donc, rappelez-vous ici, gardez le dos long. Inspire, redressez-vous, soulevez les bras. Expire, on relâche les bras le long du corps. Et on va resserrer les pieds. Okay. Troisième fois, inspire, soulevez les bras. Expire, les genoux légèrement pliés, je plonge vers la terre. Sur le bout des doigts, inspire, étire la colonne. Expire, main plat sur le tapis, retrouvez la planche. Ok. Cette fois-ci, concentrez-vous à serrer un livre imaginaire entre les cuisses. On pince, on serre légèrement le bas des fesses et on tient pour cette planche. Ok. Encore une respiration ici. Okay. Déposez les genoux à terre, partez vers l'avant et les épaules, serrez les coudes, menton, poitrine sur le sol, puis le ventre. Pointez les 10 orteils, les mains toujours sous les coudes. Je vais ouvrir la poitrine pour un cobra, inspire, expire, on redescend. Plantez les 10 orteils dans la terre, repoussez le tapis avec les mains et on vient dans le chien, tête en bas à nouveau. Inspire par le nez. Expire par le nez. Deux. Inspire. Expire. Là, observez vos pieds. Vous avez la distance d'un pied. Un pied et demi entre vos deux pieds. Quatre. Inspire. Expire.
Dernière respiration ici. Et inspire, montez sur la pointe des pieds. On marche les pieds vers les mains. Petit pas vers l'avant. Montez sur le bout des doigts. Inspirez, tire-colonne. Expire, repliez les genoux, relâchez la tête. Pressez les pieds. Inspire, soulevez les bras vers le ciel. Et expire, on relâche les bras le long du corps. Donc, il nous reste deux salutations au soleil A qu'on va accélérer pour essayer de trouver plus de fluidité dans cette pratique. Okay? Donc, pieds ensemble. Inspire, soulevez les bras vers le ciel. Expire, je plonge. Inspire sur le bout des doigts, allongez colonne. Expire, reculez les jambes pour une planche. Genoux tapis, on part vers l'avant et les épaules, plie les coudes, poitrine puis ventre au sol, orteils pointés vers l'arrière. Inspire, décollez les côtes et les épaules. Expire, on relâche. Plantez les 10 orteils dans la terre, repoussez le sol avec les mains et chien tête en bas pour 5 respiration ici. Inspire par le nez. Expire par le nez, toujours. Ok, 2. Dernière respiration. Inspire, montez sur la pointe des pieds. On vient marcher les pieds vers les mains. Petit pas vers l'avant. Montez sur le bout des doigts. Inspire, étire la colonne. Et expire, referme, ventre, côte contre cuisse. Pressez les pieds. Inspire, soulevez les bras vers le ciel. Expire, on relâche. Ok, dernière fois, donc cinquième et dernière fois, on revient pieds joints. Inspire, soulevez les bras. Expire, genoux pliés peut-être, je plonge. Sur le bout des doigts, inspire, étire la colonne. Expire, main à plat, je planche. Genoux tapis, on part vers l'avant et les épaules. Serrez les coudes contre vos côtes et on descend. Poitrine, puis ventre au sol. Inspire, ouvrez la poitrine. Décollez épaules et tête. Expire, on redescend. Plantez les 10 orteils dans la terre. Repoussez le tapis avec les mains. Et on va tirer le bassin vers l'arrière pour un chien tête en bas. Ok, c'est notre dernier chien tête en bas pour aujourd'hui. Donc, assurez-vous d'avoir la distance d'un pied, un pied et demi entre vos deux pieds. Les mains sont écartées de la largeur des épaules. Nos oreilles sont glissées entre les biceps et on respire ici. Vous êtes en train de regarder entre vos pieds. Encore 3 respirations par le nez. 2 respirations. Dernière. Inspire, montez sur la pointe des pieds. On vient marcher les pieds vers les mains. Petit pas. Inspire, étire la colonne. Et expire, on referme le buste sur les cuisses. Relâchez la tête. Pressez les pieds. Inspire, soulevez les bras vers le ciel. Et expire, on relâche bras le long du corps. Et voilà pour aujourd'hui. Donc, du coup, si vous avez le temps de pratiquer à nouveau ces salutations, essayez de répéter cette même pratique entre 2 ou 3 fois avant de commencer l'autre vidéo sur les salutations au soleil B. Sauf si bien entendu vous étiez hyper à l'aise et que vous avez déjà travaillé un peu d'ashtanga. Donc dans ce cas, vous pouvez passer directement à la deuxième vidéo. Et voilà, très bien, merci à vous et à la prochaine pour la deuxième vidéo, du coup sur les salutations au soleil B. Merci, au revoir.